Bonsoir et bienvenue à cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important. Nous sommes en Afrique, nous sommes dans un pays sous-développé qui est le Cameroun et c'est la situation un peu de partout. Alors, nous sommes tous dans l'espace tiers-monde. Alors, sachez que les mêmes problèmes qu'il y a au Cameroun, on peut les rencontrer au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Centrafrique, un peu de partout. Oui, peut-être les réalités sont un peu différentes, mais dans l'ensemble, ce sont les mêmes difficultés. Alors, le thème que je vais évoquer est celui de savoir pourquoi l'entrepreneuriat ne prospère pas dans les pays sous-développés. Alors, pour développer ce thème, j'ai fait une petite étude et j'ai constaté que généralement, 5 éléments arrivent avec beaucoup d'occurrence. Alors, le premier élément, c'est quoi? C'est que la volonté pour les promoteurs de réussir seuls. En fait, on aime en Afrique le messie. On aime lorsqu'on est patron, on aime lorsqu'on prend des décisions, on aime quand on est le seul, par exemple, à garer une grosse voiture. On aime, on aime dire, on aime être béatifié et tout. Ce qui fait qu'on préfère développer son projet seul et se miroitant les bénéfices futurs lorsque ça va réussir. Pourtant, pour avancer, on a besoin des employés qui on peut faire devenir des partenaires au sein de l'entreprise. On a des partenaires, des amis et connaissances qui peuvent intégrer et prendre des parts d'action dans l'entreprise pour réussir rapidement. Je tiens à vous rappeler, dans l'un de ses livres, Warren Buffett a dit qu'il préfère être actionnaire dans une entreprise qui vaut des milliards de dollars que d'être actionnaire dans une société tampion que personne ne connaît. C'est souvent ça le cas en Afrique. Les gens aiment être le seul propriétaire, le seul PDG de l'entreprise, le seul actionnaire de l'entreprise qui ne produit rien, qui ne réussit rien et tout, que d'ouvrir le capital à plusieurs personnes qui vont apporter chacun à son niveau peut-être des moyens, peut-être l'intelligence, peut-être les autres moyens, peut-être le réseautage qui va permettre à l'entreprise de gagner en notoriété. Alors, je vais donc demander aux gens d'ouvrir le capital aux autres et permettre à ce que les gens entrent en entreprise pour que ça porte de la réussite pour le business. On a des contraintes culturelles. Les contraintes culturelles, on a souvent en Afrique la peur, la crainte de l'autre. On se dit par exemple, c'est parce que l'autre vient d'ailleurs ou alors d'une autre région, d'une autre ethnie, qu'il ne sera pas un bon partenaire d'affaires, que c'est faux complètement. Ce sont nos limites culturelles. On se dit par exemple, c'est parce que quelqu'un est ivoirien ou alors il est burkinabé ou alors il est égyptien, qui par exemple, il va faire plomber mon entreprise, que c'est faux. Est-ce que vos employés sont tous les gens qui viennent par exemple de votre contrée? Que non. Pareil pour des partenaires d'affaires. Lorsqu'un partenaire d'affaires veut venir investir dans votre entreprise, c'est parce qu'il veut faire du bénéfice. Alors ouvrez le capital, travaillez ensemble pour que le business réussisse. On a des mentalités d'affaires encore embryonnaires en Afrique. Quand je dis mentalité d'affaires encore embryonnaire en Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas une vision, on n'est pas philanthrope en Afrique. On pense toujours les affaires au niveau très réduit. On pense toujours des petites affaires. Peut-être ouvrir mon établi là, qui va me permettre de faire des fauteuils. Ou peut-être ouvrir, par exemple, mon salon de coiffure. Peut-être ouvrir une petite entreprise de prestation de services, machin. On ne pense jamais le projet global. On n'a pas la vision sur là. Donc, on a encore des mentalités d'affaires encore embryonnaires en Afrique. Et il faut vraiment qu'on entre à l'école des affaires. Voilà. On a l'absence de la culture marketing. Les Africains n'ont pas la culture marketing. Malheureusement, c'est ça. Et les Africains n'ont pas encore compris que, par exemple, que développer le marketing, c'est un investissement pour son business. On a encore la culture selon laquelle peut-être on va prendre des entreprises, les employés, ils vont se taper, on n'investit pas dans le marketing, ils vont se battre, peut-être on va prendre des commerciaux, machin. On n'a pas encore la culture dans l'investissement de l'image de marque. On n'a pas encore la culture selon laquelle on peut investir en marketing et recruter peut-être sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On n'a pas encore culture de positionnement. Ce sont plutôt les multinationales qui viennent et prennent toutes les parts de marché parce qu'elles, elles ont compris de quoi je parle. On a, pour finir vraiment, la méconnaissance ou alors la mal compréhension des économies d'échelle. On pense toujours, par exemple, comme je disais, le petit business d'à côté, machin. Mais je prends un exemple simple. Prenez par exemple quelqu'un qui a un salon de coiffure, qui est prêt à investir 10 millions chez nous ici en Afrique, 10 millions, 20 millions pour un salon de coiffure. Pourtant, on pouvait développer avec cet argent, on pouvait développer une plateforme où il met en relation, par exemple, ceux, par exemple, qui veulent les soins et par exemple ceux qui ont les centres de soins avec peut-être
2 millions ou 3 millions, il a sa plateforme et avec, par exemple, les 2 millions qui suivent, il a la possibilité, par exemple, d'avoir quoi? D'avoir les premiers clients, d'investir sur le premier marketing. Mais imaginez s'il a déjà, par exemple, 100 clients qui utilisent sa plateforme par mois ou alors 100 salons de coiffure qui utilisent sa plateforme et lui réserve, par exemple, un 10 000 francs par mois. Ça lui fait, par exemple, 10 000 fois 100, ça fait 10 millions qu'il a... qu'il a par mois. Non, ça fait 1 million qu'il a par mois. Je ne suis pas sûr. Ça, c'est un bénéfice net, même directement. Je ne suis pas sûr qu'avec son salon de coiffure, il peut se faire ce genre de chiffre d'affaires par mois. Mais imaginez donc les économies de ça. Si vous investissez au fur et à mesure sur votre application, si vous investissez au fur et à mesure, vous n'avez pas de limite, ni de territoire, ni de ville, ni de rien d'autre. Vous pouvez couvrir toute l'Afrique. Et peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, vous allez retrouver avoir, par exemple, 5 000 salons de coiffure, ou alors 10 000 salons de coiffure, ou alors laissons même le salon de coiffure. Parlons plutôt des voitures. 10 000 voitures qui naviguent, qui vous apportent de l'argent dans les courses, dans votre application que vous aurez développée. Donc, on n'a pas la culture de l'économie d'échelle. On a la culture, par exemple, des éléments très petits. Alors, pour réussir en Afrique, je veux me résumer, c'est quoi? C'est que vraiment, il faut avoir la culture marketing, de un. De deux, il faut ouvrir le capital, accepter les avis, les idées de l'argent ou alors les capitaux des autres, ouvrir le capital. Trois, développer vraiment, avoir le mindset d'économie d'échelle et laisser tomber les barrières et contraintes culturelles. Travailler l'instinct d'affaires, ça va nous permettre beaucoup de nous positionner. Si cette vidéo vous a apporté un peu du contenu, de la qualité ou alors un peu de plus dans vos notions d'affaires, alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez-la au maximum pour ne rien rater de nos prochaines capsules vidéo. Ciao, c'était Michel Villon, votre humble serviteur, et à plus tard.